Un, c'est le jour de la paix. Le jour de la paix, alors que, à la tribune de l'ONU, il n'y a actuellement que des discours de guerre. L'on voit bien ces responsables de pays d'ailleurs en guerre qui demandent encore et encore de l'aide au nom de la démocratie. Mais n'a-t-on pas écrasé je ne sais combien de pays au nom de ce mot? Se rappelle-t-on du Vietnam, du Liban? Se rappelle-t-on des horreurs de la guerre d'Irak, des guerres d'Irak, des horreurs de la deuxième guerre d'Irak et de la troisième guerre d'Irak? Se rappelle-t-on de la guerre de Syrie où nous avons armé des djihadistes? Se rappelle-t-on de la désintégration de l'ex-Yougoslavie où nous avons mené trois guerres, la guerre de Croatie, la guerre de Bosnie et la guerre du Kosovo qui a anéanti définitivement la Serbie et anéanti complètement l'ex-Yougoslavie? Se rappelle-t-on donc de toutes ces guerres où nous avons semé des cadavres, nous avons empilé des cadavres? Et maintenant, il faut encore faire front. Faire front au nom de quoi? Alors moi, je les ai vus, ces cadavres. Beaucoup ont eu la chance de ne pas les voir. Mais moi, je les ai vus, j'ai senti leur odeur. J'ai vu la souffrance de ces peuples que j'ai mal accompagnés, puisque finalement, la guerre est toujours là. J'ai essayé de les dénoncer en vain, en vain. Alors voilà, moi, pendant 50 ans de reportage, voilà ce que j'ai vu. Voilà l'horreur que j'ai vue. Personne n'en parle. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que ces cadavres, ces victimes, nous n'en avons rien à faire, ou plutôt l'empire qui les a produites n'en a rien à faire. Oui. C'est la même chose pour l'Ukraine, je crois. Alors, arrêtons de penser en noir et blanc. Essayons de penser à toutes les victimes de ces guerres stupides, de ces guerres inutiles. Essayons de penser à celles-ci. Bonjour, merci de m'avoir écouté. Au revoir.